Eh bien, salut les amis sexy! Et aujourd'hui, on se retrouve pour un mode incroyable. Qui n'a jamais rêvé de jouer à Demon Slayer dans Minecraft? Aujourd'hui, je te propose d'aller chasser du démon à grands coups de sabre et de pouvoir ultra puissant. On va pouvoir devenir un Demon Slayer, mais pas n'importe lequel, puisque on va faire tout comme dans le manga. On va avoir, en fonction de notre katana, un pouvoir aléatoire qui nous sera attribué. Ça se trouve, j'aurais très bien le pouvoir du feu, de l'eau, de la téléportation, de l'électricité. Je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous allez découvrir ça dans un instant. Si tu veux jouer toi aussi à Demon Slayer ou que tu veux que je teste de devenir un démon, pourquoi pas, et ben fais-le moi savoir en commentaire. Ça serait avec grand plaisir que je ferais un deuxième épisode, puisque je me suis trop éclaté là dans cette vidéo. Je me suis trop éclaté, tu vas découvrir ça. En tout cas, avant que cette vidéo commence, sachez que 72% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc pensez à vous abonner et activer la cloche de notification, ça me ferait extrêmement plaisir. Et écoutez, les amis, faites-moi péter cette barre de like, un très important, et puis je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Bon et bien du coup les amis, bienvenue dans Demon Slayer sur Minecraft, et on est dans ma petite maison. Elle est mignonne ma petite maison, dis-moi ce que t'en penses aux commentaires, mais moi j'aime beaucoup. Bon c'est un petit carré, mais un petit carré mignon. Bah oui oui oui, c'est un petit carré mignon. Alors regardez, on commence dans un biome un petit peu chelou. C'est un petit peu sombre, hein. C'est même très très sombre. C'est super bizarre, et d'ailleurs on a des petits corbeaux ici. Alors on se rappelle, dans Demon Slayer, pour ceux qui regardent, le corbeau c'est celui qui te donne des indications. Ah mais, ouais, par contre il veut pas trop de moi. Oh mais tiens, mais toi t'es là, j'ai oublié son nom, mais c'est le personnage principal de Demon Slayer. Je me suis arrêté un petit peu après le moment où il y a le démon qui peut changer les pièces de... Comment on dit, de dimension. En gros le bas se retrouve en haut, le haut se retrouve à droite, enfin bref peu importe. Bon alors du coup les amis, oh regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu es, toi? Salut, je ne connais pas ton nom dans Demon Slayer, je suis désolé. En tout cas, on a des quêtes. Là, on doit obtenir Skills and Ability. Ok, donc pour obtenir Skills and Ability, il faut qu'on arrive à tuer notre premier démon. Hein, puisque pour l'instant, en fait, ça, c'est réussi. Hein. Il faut juste qu'on arrive à se connecter. Mais par contre, il faut qu'on tue un démon. Et sachant qu'on peut aussi devenir un démon en mangeant des Demon Slayer, des chasseurs de démons. Mais là, le but, c'est d'être un Demon Slayer et de trouver nos premiers démons. Alors, oh là là, elle meurt. Allez, meurt, le zombie, là. Là, il y a des Demon Slayer. Ils sont en train d'affronter les... Ils sont en train de se faire les mobs, en fait. Ils sont en train de se faire les mobs. Oh là là. Attends, moi, je vous laisse vous faire les mobs. Je suis un Demon Slayer, mais pas un Monster Slayer. Hein. Franchement, flemme. Par contre, là-bas, on a un cochon. Mais c'est pas n'importe quel cochon, du coup. Vous voyez bien que c'est pas les cochons de Minecraft. Non, non, non. Vous l'avez déjà vu celui-là dans Minecraft, je crois pas. Petit cochon. Oh yes, il a la même tête que l'autre là dans Demon Slayer. Hop, et je peux monter dessus. Et du coup, ça me fait un cochon de compagnie. Mais ça me fait un véhicule aussi. Et ça, c'est incroyable. Ah ouais, il faut que je monte là-haut. Regardez, en plus, on a une maison là-haut. On va explorer ça, mon gars. Ok, eh bien, je crois que le bâtiment dont je vous parlais avec le démon qui pouvait retourner les pièces dans le sens qu'il voulait, je crois qu'on lui a trouvé ce bâtiment. Alors attention, on va essayer de trouver la porte d'entrée déjà. Pas évident à la porte d'entrée quand c'est un démon qui gère les lieux. Ah bien, bon, je vais poser un bloc, hein. Hop là. Oh yeah. Oh, oh c'est bon, il m'attaque pas. J'ai cru qu'il allait m'attaquer. Bon, du coup, il n'y a pas l'air d'avoir de démon ici. Ça a l'air d'être la maison des Demon Slayer. Est-ce que... Salut. Je pourrais peut-être trouver un katana ici. Et devenir un Demon Slayer. J'ai pas l'impression. On est vachement chez eux quand même. Ah. Ah. Un coffre. Oh, quelle déception, juste de la toile d'araignée. Ah, là, il y a des coffres encore. Non, dommage. Ah, rien du tout. Vous ne voulez pas me donner un katana? Non, ça n'a pas l'air de vous brancher. Hein. Oh, les gars, je viens d'avoir un Advanced numéro 1 Hunter de Sagiri Mountain. Oh, ah ouais, je suis à la montagne de Sagiri. Alors, attends, qu'est-ce que ça me fait? Natagumo Mountain, ok, que j'ai déjà trouvé. La Sagiri Mountain. Donc j'ai déjà fait la mission numéro 4 qui est de trouver la Natagumo Mountain. Avant, il faut que je devienne un Demon Slayer. Et pour devenir un Demon Slayer, il faut que je tue mon premier démon. On n'oublie pas cet objectif. Oh! Non, c'est pas un démon ça. Il se fait pas attaquer par les Demon Slayer. Ce n'est pas un démon. En tout cas, il a l'air balèze, oui. Mon dieu. Il y a plein de Demon Slayer différents. Regardez, on a celui-là. Le tien. Eh, hey, mais ils sont tous là. Oh là là, est-ce que ça c'est pas celui qu'on voyait dans les avancements? Est-ce que c'est pas Sabito? Peut-être que c'est Sabito. De toute façon, on verra quand on devra faire la mission. Et là, on a la sœur du personnage principal de lui. Ouais, ils sont tous les deux réunis. Oh, c'est génial. Elle, c'est une démon. Oh là là, oh lui, il est trop stylé. Regarde son sabre et tout. Oh là là! Elle aussi, elle a trop la classe. Oh les gars, c'est une série. Et il commence à faire lui! Ok. Ok, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Alors, par exemple. Aïe! 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 Non. Aïe aïe aïe!
Ok, j'ai tué un cochon, c'était dur. C'était dur, il m'a défoncé et il avait pas de knobak. Alors du coup, j'ai eu de la bourmie, de la viande de porc. Ok, les gars, ça y est. Il va commencer à faire nuit. C'est incroyable. Oh, c'est trop stylé ici. C'est tout violet et tout. On va faire attention. Elle fait peur un peu cette zone quand même. Hein. Je vais. En fait, j'ai envie de rester près des Demon Slayer. Parce que je sais que eux, pour tuer les démons, ils vont être efficaces. Mais en même temps, il faut que je tue mon premier démon. Donc si je me fais aider, bah. C'est pas ouf. Ok, les gars. Premier démon. Ah, je me fais attaquer. C'est des petites souris là. Non, meurs. Allez. Ça a pas l'air d'être des démons. Ça a l'air d'être les démons d'un démon. Ça m'a pas dit félicitations, t'as tué ton premier démon. Qu'à mon avis, c'était pas un démon. Je me suis fait attaquer juste par des petites bébêtes. Oh, ça, si c'est pas un démon, c'est ça qui m'a attaqué. Les démons Slayer, venez. Aidez-moi. Allez-y, défoncez-le et je vais vous aider. Allez. Oh, pardon, je voulais pas te taper. Allez. Oui. J'ai eu mon premier démon. Et ça y est, j'ai mon corbeau. Ah yes, les gars, on peut devenir un Demon Slayer. Regardez. Oh yeah, j'ai mon katana. Le Nichirin Sword. Nikirin, Nikirin, peut-être. Oh, oh, elle s'est transformée. Alors déjà, j'ai force 2, résistance et heal boost, puisque je me retrouve avec 12 cœurs. Du coup, on a des compétences, donc on va aller, tester, hein, tranquillement. Alors d'ailleurs, mon corbeau, si je fais du droit dessus, il me donne des positions, 100 et 598, et normalement, du coup, il y aura... Oh, et je vais super vite. Oh, voilà, alors par exemple... Allez, allez, tiens, j'ai bouffé, moi, le démon. Oh, là, il y en a un autre. Allez! Attends, j'ai différentes compétences. Genre là. Oh! C'est incroyable! Tiens! Allez! Je t'ai coupé en 10, mon gars! Oh, c'est trop bien! C'est trop bien d'être un démon! Oh, donnez-moi d'autres démons! Allez! Tiens! Oh, bah, encore lui! Allez, allez, allez! Tiens, prends ça! Oh, raté! Oh, oui! Allez! Yeah! Je suis en train de tuer plein de démons. C'est trop puissant. C'est trop bien. Oh là là, et on a tellement de compétences. C'est incroyable. Oh, c'est quoi ce truc? J'arrive. Oh, peut-être un petit peu trop fort. Oh là là, il l'a tué. En fait, le problème, c'est que c'est une araignée. Aïe. Oh, ça fait peur. Allez, tiens. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Faut que je mange. Je vais me la faire. Wouh! Faut esquiver. Et là. Allez! Oh non, encore un démon. Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Mes oreilles, ça fait très mal aux oreilles. Allez. Wouh! Oh, 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 ça avait bugué. Tiens, aïe! Ah non! Oh non! J'ai perdu mon épée et tout! Bon, les gars, écoutez, je viens de tout perdre. Mais je peux tuer un autre démon et récupérer. Non. Ah! Ça, c'est un problème, j'ai plus tout mon stuff de démon. Enfin, de tueur de démon. Oh, j'ai retrouvé mon stuff! Aïe. J'ai retrouvé mon stuff, les gars. Aïe, aïe, aïe. Non, aïe, aïe. Vite, on se casse. J'ai trouvé tout! Aïe. Oh, non, j'ai pris super chat. Je crois que je suis pas tranquille, mais... Voilà, on peut se rééquiper. Manger. Ok. Et là... Ok, c'est parti. Cassez-vous. Allez. Oh là, oh là, ils sont forts, hein. Ils sont forts. On va changer de sort. Coucou. Aïe. Oh, c'est quoi ce démon? C'est quoi ce démon? Ouh. Ouh. Oh, c'est chaud. Je suis encore un petit, moi. Oh, il commence à faire jour. Ça va peut-être être... Ça peut sauver. J'ai retrouvé mon stuff, mais comment je suis refait? Ok, faut que je mange. Je suis poursuivi toujours par les démons. Ok, c'est pas très efficace ça. Allez, mourir. Ah, oh non! J'ai été tué par Kegaku! Bon alors les gars, pour la 50e fois, je vais récupérer mon stuff. Les démons sont morts après m'avoir tué. J'ai activé le keep inventory. J'ai plus de pantalon. Est-ce que je pourrais récupérer mon pantalon s'il vous plaît? Yeah! Mon pantalon. Et là, vous voyez, on a trouvé des parts de Demon Slayer. Donc pour crafter, par exemple, un Demon Slayer, eh ben, il faut toutes les jambes et tout d'un Demon Slayer. Et après, on peut le manger et devenir un démon. Bon, on va pas devenir un démon aujourd'hui, je n'en ai pas envie. Mais par contre, du coup, on va pouvoir regarder nos avancements, voir que, du coup, on a Change the Color of the Nishigame. Donc on a eu Mizunoto, déjà.
Puisque je sais pas pourquoi, direct, il s'est transformé. Ok, donc plus on va tuer de démons, et plus ça va avoir de chances d'évoluer. Ok, très bien. On a d'autres quêtes, et notamment, trouver Sabito. Donc Sabito, je crois qu'on l'avait trouvé tout à l'heure, on a juste à confirmer que c'était bien lui. Et du coup, si on arrive à tuer Sabito, et ben on réussira notre mission, et on va continuer de monter en grade. Voilà, il y a plein de parts de démons partout qui se sont fait... Enfin, de Demon Slayer qui se sont fait découper. Oh là là, elle a une drôle d'épée, celle-là. Ça va pas être pratique pour couper, quand même. C'est... Ouais. T'aurais pas vu Sabito ? Par hasard, t'as l'air d'être la plus sympa, hein. Remarque, de toutes les personnes que j'ai rencontrées... Ouais, non, hein. On continue de me tourner le dos. Oh ! Vous l'avez reconnu ! Il est là ! Bon, c'est pas Sabito, mais ça, c'est notre ami... Bon, j'ai oublié le nom, mais... Avec la tête de cochon ! Hein, on l'aime beaucoup. Oh, oh les gars, je crois qu'on a Sabito ! On a Sabito ! C'est lui, c'est lui, c'est sûr, c'est lui. Bon, du coup, je dois le tuer, on est d'accord ? Advancement, mission 2, win against Sabito. Je vais le... Oh, je l'ai... Oh, je l'ai bouillave. Oh, oh, il y a un dragon ! Il y a un dragon ! Wow. Tiens, prends ça ! Tiens, Sabito ! Aïe, il fait mal, il fait très très mal, Sabito. Aïe. C'était Sabito ! Par contre, il m'a défoncé. Oh, les gars. Ouh ! Ouh, 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 ouh. C'est la merde. Ouah, il y a des démons. Des gars puissants dans le coin. Il y a des démons très très puissants. Ok, non. Oh, oh. Ouh ! C'est la folie ! Ouah, il est trop puissant, le personnage principal. Oh, je fais des dingueries. J'ai plus de vie en fait. Je fais pas de dingueries. Voilà. Wouh. C'est super chaud. C'est super chaud. Ouais, il a envoyé des trucs de ouf. J'ai kill 12 moon. Oh les gars, il y a des démons de ouf. Wow. Oh, ça fait mal. Non. Par. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Faut que je mange. Oh là là! What? Il se passe des trucs de malade partout! Oh là-bas, ça se fight! What? Je me suis fait one shot! C'est des malades! Bon, il y a des petits démons. Facile à combattre. Wouh! Ça, c'est pas des petits démons! Ça va, il a pas trop de vie. Ah, mais par contre, ça... Oh là là! C'est super chaud! J'y retourne! Je vais t'avoir. Oh. Allez, meurs. Yeah. Je l'ai tué, ce démon. Finesse, c'était super dur. Franchement, je prends trop cher. Ok. Bon, je tue les démons, hein. Je les tue. Ça va me faire évoluer. Je serai prêt pour aller affronter Sabito. Ah, c'est un démon. C'est un démon, c'est un démon. Ça, c'est un petit démon, genre... il est simple à tuer. Voilà. Lui, je sais pas si c'est réel. Ah, il a l'air très fort. Dégage. Laisse-moi tranquille. Ok. What the fuck. Okay, moi, je me tire de là. Bande de sauvages. Oh, je vais les aider. Ah. Oh, ils sont trop forts. Quand ils balancent des éclairs et tout. Moi, je suis là. Je gère des pouvoirs de feuilles. Bon, les gars, je viens de retrouver Sabito. Donc, cette fois, j'espère que ce sera la bonne et que je vais bien le tuer. Attends, je vais attendre que mon épée recharge parce que c'était censé lui mettre des dégâts quand même. Donc, voilà. Allez, tiens, Sabito. Attention, attention, attention. Faut pas prendre trop de dégâts. Faut pas prendre trop de dégâts. Mon épée est rechargée. Ok, j'ai réussi à le pousser. J'ai réussi à le pousser. Attention, son dragon d'eau. On va manger. Ok, ça va. Ok, ok, ok. J'ai plus beaucoup de vie. Ah non ! Bon, le problème avec Sabito, c'est que si t'arrives pas à le tuer, bah il dépop quand tu reviens. Donc c'est un petit peu dommage puisque je peux pas aller le spammer et réussir à l'avoir à l'infini. Bon les amis, on a une nouvelle fois Sabito devant nous. On va pouvoir retenter notre chance pour la troisième fois. Ce Demon Slayer est vraiment trop puissant. Et ça, c'est incroyable. Ah, mais je peux le taper à travers l'arbre. Ah, mais ça change tout. Aïe.
Sabito m'a tué. Est-ce qu'il y était? Mais regardez, il dépop à chaque fois. Faut réussir à le one-shot, c'est incroyable. Ah non, il est là. Sabito! Oh, il a plus de vie. Je l'ai eu. Ah non, il est là. Le filet! Sabito! Il est mort? Il est mort? Yes! Mission numéro 2! Tuer Sabito! Ça, c'est fait! Ah, ça fait trop plaisir. Advancement? Oh, je veux voir ça tout de suite. Alors, déjà, ça, on a toujours pas évolué, mais bon, ça, c'est pas grave. Ah, ça, j'ai lu tout à l'heure. Bully Battle, win against Kamanoue. Ok, très bien. Donc, il va falloir que je continue de farmer les démons et que je trouve ce fameux Hen Demons. Et aussi le Bloody Battle Lower 6 win against. Donc Kamanoue, on l'a déjà croisé à mon avis, puisqu'on a sa main. Donc on a croisé un démon qui l'a tué. Donc il va falloir que je farme les démons, que je fasse évoluer mon épée pour devenir un petit peu plus puissant. A savoir que si vous téléchargez le mode... Ah mince, mon jeu a planté. Si vous téléchargez le mode, eh bien sachez que vous n'aurez pas forcément les mêmes attaques que moi, puisque c'est aléatoire. Donc je vous invite vraiment à tester le mode Demon Slayer dans Minecraft, parce qu'il est vraiment trop stylé. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, bien n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire péter cette barre de like, à commenter et à partager la vidéo. Attends, je t'arrête 2 minutes pour te rappeler que je sors une vidéo tous les mercredis et samedis à 18h, donc pense à être au rendez-vous, et puis abonne-toi à la chaîne, ça fait plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, sur ce, et bien allez, salut à tous, c'est Toxy, salut tout le monde!